Beste professor De Schutter, u als speciale rapporteur voor de VN voor het recht op voedsel kan ons misschien uitleggen hoe het komt dat vandaag de dag nog zoveel mensen honger moeten lijden en dat deze situatie er zelf op achteruit gaat, ondanks het feit dat die tot de millenniumdoelstellingen behoort? Je crois qu'on peut résumer au fond le problème de la manière suivante, c'est que nous sommes entrés dans un cercle vicieux. Pendant des années, la petite agriculture familiale n'a pas été soutenue, et pire que cela, elle a été ruinée par des politiques qui ont accru la dualisation de l'agriculture, avec certains grands producteurs qui étaient soutenus, mais d'autres qui étaient tout à fait laissés pour compte. Et on a, au cours de ces années, au cours de ces 30 dernières années, ruiné la petite agriculture familiale dans les pays en développement. Et certainement, c'est vrai de l'Afrique subsaharienne, où les plans d'ajustement structurel ont conduit à démanteler tous les soutiens dont bénéficiaient ces petits agriculteurs par le passé. Et du coup, il y a eu une forte migration vers les villes, la création de grands bidonvilles autour des villes des pays en développement. Et pour nourrir ces pauvres urbains, il faut de la nourriture à bas prix. Et donc, il faut importer de la nourriture fortement subsidiée dans les pays de l'OCDE, ruinant encore plus les petits agriculteurs de ces pays-là qui voient arriver sur leur marché des denrées alimentaires à bas prix contre lesquelles ils ne peuvent pas faire concurrence. Et donc on a ce cercle vicieux avec une destruction de la petite agriculture familiale qui conduit à l'exode rural, qui conduit à l'émergence d'une masse de pauvres urbains qu'il faut nourrir à bas prix parce que c'est une condition de la stabilité politique des régimes qui existent dans ces pays. Et je crois que ça c'est la première principale cause de la pauvreté rurale et donc de la faim dans les pays en développement aujourd'hui. Il y a une deuxième cause, c'est que beaucoup de ces pays n'ont tout simplement pas les moyens budgétaires d'investir dans l'agriculture et qu'ils ont aujourd'hui pris un retard considérable. Depuis le début des années 80, le financement de l'agriculture a chuté de manière dramatique. C'est vrai des politiques de coopération et développement chez nous, mais c'est vrai aussi des budgets publics de ces pays en développement qui n'ont pas trouvé intéressant d'investir dans l'agriculture. Et aujourd'hui, il faut rattraper 30 années de retard. Il faut construire des routes, il faut construire des moyens de stockage, il faut organiser les paysans, il faut donner aux paysans une meilleure possibilité de capter une part importante de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire. Et cela réclame des investissements, cela réclame une volonté politique et tout cela fait défaut. Et par conséquent, je crois qu'il faut reconnaître que la faim n'est pas une question simplement technique, simplement liée à des phénomènes météorologiques ou à la mauvaise qualité des sols, même s'il y a cela aussi. C'est d'abord une question politique, ce sont des mauvaises politiques dont nous payons aujourd'hui le prix. Om het belang van voedselsoevereiniteit te onderstrepen, hebben wij met 11.11 onze najaarscampagne gevoerd rond het thema landbouw en plattelandsontwikkeling in Centraal-Afrika. Wij hebben dit in het noorden gedaan, maar ook onze partners in Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo hebben dit gedaan, elk met dezelfde thema's, dezelfde eisen, maar ten aanzien van onze verschillende beleidsmakers. Wat is volgens u de meerwaarde van zo'n gemeenschappelijke campagne? Oui, je crois que vraiment ce genre d'initiative est très encourageante et ceci pour trois raisons. D'abord, il est très clair que les gouvernements ne bougeront pas si les médias et les ONG ne se mobilisent pas davantage. Je veux dire par là que l'intérêt des gouvernements est d'ignorer cette question et de donner la priorité à des questions comme la croissance économique chez nous, surmonter les impacts de la crise financière. Si vous voulez, pour que la faim demeure au sommet de l'agenda politique, il faut une forte mobilisation, sinon elle n'aura pas lieu. Cette initiative politique qu'il faut avoir. Donc moi, je me réjouis de cette mobilisation. La deuxième raison d'être optimiste à partir d'un tel projet, c'est que trop longtemps, l'aide au développement a été conçue d'une manière très unidirectionnelle, top-down, avec les pays donateurs qui connaissaient les solutions dont les pays du Sud avaient besoin, et des rapports purement bilatéraux entre les gouvernements du Nord et du Sud, les donateurs et les pays partenaires. Aujourd'hui, on est passé à une approche beaucoup plus bottom-up, où les organisations non gouvernementales, les coopératives paysannes ont un rôle plus important, et plutôt que des rapports purement bilatéraux, des rapports triangulaires, où ce ne sont pas seulement les gouvernements, mais aussi la société civile, y compris du Sud, qui se mobilise pour
orienter la direction que prend l'aide au développement. Et je crois ça tout à fait important parce que c'est une manière de s'assurer que l'aide au développement va véritablement répondre aux besoins tels qu'ils sont identifiés par les bénéficiaires et ne va pas être au fond le résultat de projets d'experts conçus sur un mode technocratique. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle cette démarche me paraît importante, consistant à associer des partenaires du Sud dans la mobilisation chez eux. C'est qu'une des raisons principales pour lesquelles, pendant des années, les gouvernements du Sud n'ont pas accordé l'attention qu'il aurait fallu à la petite agriculture familiale, c'est que ces petits paysans n'ont pas compté dans le processus politique. Ils étaient marginalisés, ils étaient peu influents, souvent illettrés, incapables de véritablement former un mouvement et de pénétrer la sphère politique, et les élites de ces pays, et on peut le regretter naturellement, n'ont jamais pris au sérieux leurs revendications. Aujourd'hui, voir ces mouvements mieux se structurer, soutenus par des partenaires du Nord, et prendre une place comme interlocuteur du politique dans le Sud me paraît tout à fait essentiel, parce que c'est la meilleure façon de s'assurer que les politiques publiques à l'avenir ne vont plus ignorer leurs préoccupations et vont travailler vraiment pour leurs intérêts. Sommigen, zoals Paul Collier, doen kleinschalige familiale landbouw af als romantisch, maar nutteloos. Wat denkt u hierover? Je crois qu'ici, on est dans un malentendu profond. Au fond, certains, comme Paul Collier, sont fascinés par l'agriculture industrielle qui, sur de grandes surfaces, peut mécaniser la production et être compétitive sur les marchés internationaux parce que c'est une forme d'agriculture qui remplace l'homme par la machine et qui produit des volumes considérables permettant des économies d'échelle. Cependant, moi je voudrais souligner que la compétitivité n'est pas à confondre avec la productivité à l'hectare. La petite agriculture familiale est une agriculture qui peut être extrêmement productive à l'hectare. En fait, il y a un rapport inversement proportionnel entre la productivité à l'hectare et la taille de la parcelle, c'est-à-dire que plus la parcelle est petite et plus le paysan produit davantage par hectare en combinant différentes plantes, en combinant des petits animaux avec les plantes qu'il cultive. Et la petite agriculture familiale, de ce point de vue-là, bien que moins compétitive éventuellement, est extrêmement productive. Deuxièmement, nous sommes, je crois, et Paul Collier également, tous victimes d'une sorte d'illusion d'optique que j'explique de la façon suivante. Jamais l'agriculture familiale n'a véritablement été soutenue dans la plupart des pays. Il y a quelques exceptions, heureusement. Et parce qu'elle n'a jamais été véritablement soutenue, elle n'a jamais eu l'occasion de montrer sa capacité à produire. Et au fond, on est dans une sorte de prophétie autoréalisatrice. On n'a pas aidé la petite agriculture familiale parce qu'on n'y croyait pas. Et parce qu'on ne l'a pas aidée, elle n'a jamais pu, au fond, démentir ce jugement négatif qui est porté sur elle. Et je pense qu'il faut lui donner sa chance, qu'il faut la soutenir pour qu'elle puisse montrer combien elle peut être productive. Et puis je dirais une troisième chose, c'est que prôner, comme le fait Paul Collier, le développement de grandes plantations mécanisées, fortement capitalisées, dépendantes d'intrants externes, de l'accès au crédit, notamment pour l'achat de machinerie lourde, c'est au fond ne pas voir que l'agriculture, c'est autre chose que simplement produire de la nourriture. L'agriculture, c'est aussi augmenter les revenus des plus pauvres, et ce n'est pas en expropriant ces petits paysans, ce n'est pas en les poussant en dehors de l'agriculture pour qu'ils migrent vers les villes, qu'on va aider ces petits paysans à surmonter la pauvreté dont ils sont aujourd'hui victimes. En d'autres mots, je crois qu'investir dans la petite agriculture familiale est non seulement très productif en termes de volume produit sur les marchés, c'est aussi une manière de contribuer à faire reculer la pauvreté dans les zones rurales. 75% aujourd'hui des pauvres dans le monde sont encore dans les zones rurales, et c'est une manière de contribuer au développement rural et de favoriser au fond des rapports beaucoup plus sains entre les villes et les campagnes. Avec une augmentation des revenus dans les campagnes, ça va signifier au fond que les pauvres des villes seront dans une situation meilleure pour avoir des salaires plus élevés, et au fond que l'industrie et les services auront un marché sur lesquels ils pourront se développer grâce à une demande qui aura augmenté dans les campagnes. Et donc, je crois que les grandes plantations ne sont pas nécessairement plus productives, même si elles sont plus compétitives. Je crois qu'elles ne sont pas
de nature à faire reculer la pauvreté rurale, et je crois qu'elle contribue beaucoup moins que la petite agriculture à la lutte contre la pauvreté dans les campagnes et au développement rural. De media bericht vaak over de risico's van voedselspeculatie. Kan u ons eventueel beknopt uitleggen wat dit juist inhoudt, wat het de impact ervan kan zijn op het zuiden en wat we er tegen zouden kunnen doen? Il y a deux types de spéculation. Il y a d'abord la spéculation par les opérateurs commerciaux sur les marchés physiques, là où on achète la tonne de blé, la tonne de maïs. Et là, c'est vrai qu'il y a parfois des opérateurs, privés ou gouvernements d'ailleurs, qui spéculent sur les matières premières agricoles, par exemple en retardant les ventes dans l'espoir que les prix augmentent, ou bien en achetant autant que possible, par crainte que les prix n'augmentent, et donc on se couvre contre le risque d'une augmentation des prix. Et ces spéculations, elles existent parfois. On a vu par exemple en juillet dernier, une firme londonienne, Armajaro, qui a acheté avec plus d'un milliard de dollars de cash 7% de la production mondiale de cacao, dans l'espoir de faire monter les prix et de pouvoir écouler ses stocks ensuite à des prix tout à fait élevés. Il y a une autre spéculation, qui est la spéculation financière. Et cette spéculation-là, c'est la spéculation qui est celle des investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les fonds d'investissement, à travers ce qu'on appelle des fonds indiciels de matières premières, des commodity index funds, et qui, eux, n'achètent jamais une tonne de blé ou de maïs, mais achètent le droit d'acheter ou de vendre à terme le maïs, le blé, à des prix déterminés. Et c'est une spéculation sur ce qu'on appelle le marché des produits dérivés, où s'échangent des actifs financiers et non pas des actifs physiques. Et ce qui s'est passé depuis 2000, mais surtout depuis 2005-2006, c'est que ces marchés des produits dérivés sont devenus complètement fous. Je veux dire par là que les investisseurs institutionnels sont arrivés en masse sur ces marchés des produits dérivés, ont commencé à spéculer sur les matières premières agricoles et ont perturbé la lisibilité des marchés physiques. Je m'explique. Lorsqu'un producteur veut vendre du cacao, veut vendre du blé, ou lorsqu'un acheteur veut acheter du blé, du maïs, du cacao pour transformer cela et le vendre au consommateur, ils doivent savoir à quel prix vendre et acheter. Et pour cela, généralement, ils se réfèrent à ce que le marché des produits dérivés envoie comme signal. C'est ainsi qu'on dit que le marché des produits dérivés découvre les prix et sert aux opérateurs sur le marché physique à définir les prix auxquels ils achètent et ils vendent. Mais dès lors que ces opérations sur les marchés des produits dérivés sont purement spéculatives, sont détachées de toute considération de l'économie réelle, ne tiennent pas compte du niveau des stocks, de l'évolution de l'offre et de la demande, mais s'inscrivent dans une démarche et dans une logique purement financière, ce que disent les marchés des produits dérivés devient complètement illisible. C'est une économie casino qui s'est développée, ce sont des bulles spéculatives qui se développent et puis qui explosent, et ceci rend, pour les producteurs, extrêmement difficile la planification de la production. Ceci incite à la spéculation par les opérateurs commerciaux sur les marchés physiques, parce que tout le monde a peur d'une évolution des prix qui est de plus en plus illisible et imprévisible. Et donc, moi je considère que c'est un sérieux problème. Cette volatilité que la spéculation accroît est un problème à la fois pour les producteurs qui ne savent pas à quel prix ils pourront vendre, mais c'est aussi un problème pour les pays à déficit alimentaire qui sont obligés de dépendre des marchés internationaux pour s'alimenter et qui, lorsque les prix du riz, du blé, du maïs brutalement augmentent de 50 ou 60%, voient leur facture alimentaire augmenter de manière considérable et très souvent, ils ne peuvent pas payer cette augmentation. Et donc, moi, je crois qu'il faut lutter contre cette volatilité. On doit le faire en distinguant la spéculation, entre guillemets, par les opérateurs commerciaux qui cherchent simplement à se protéger d'une évolution des prix en achetant ou en vendant à terme, c'est-à-dire à l'avance, ce qui est légitime, même si ça doit être fait de manière transparente, et distinguer cela, d'une part, de la spéculation financière nocive par les fonds d'investissement, par les fonds de pension, qui ont perturbé ces marchés de manière considérable depuis 2005-2006. Et ceci est lié à des déréglementations des marchés financiers sur lesquels on peut revenir, et je me réjouis du fait que les États-Unis tentent maintenant de réglementer ce phénomène et que la Commission européenne également soit en train de mettre sur la table des propositions en ce sens, même si
Le lobbying politique demeure très fort pour continuer de garder ces marchés très libéralisés et éviter cette réglementation. De verschillende crisissen waar we in de wereld vandaag de dag mee te kampen hebben, zijn uiteraard allemaal met elkaar verbonden. Kan u ons eventueel uitleggen hoe de voedselcrisis verbonden is aan de klimaatcrisis? Je crois que c'est important de comprendre qu'il y a deux sens dans lesquels ces deux crises sont liées. Je m'explique. D'une part, le changement climatique est un des facteurs principaux aujourd'hui de la volatilité des prix sur les matières agricoles, mais aussi des menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire à l'avenir. Regardons simplement l'actualité des deux années passées. Des inondations au Pakistan, des pluies diluviennes en Australie, des sécheresses, des incendies de forêt en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan. En 2009, une sécheresse considérable en Inde qui a fait perdre environ 20-25% des récoltes. Nous sommes déjà aujourd'hui dans une situation où tous les paysans du monde redoutent les impacts des phénomènes météorologiques extrêmes qui accompagnent le changement climatique. Et à l'avenir, à l'horizon 2050-2080, l'on sait que le changement de température et que la multiplication de ces phénomènes météorologiques extrêmes va menacer notre capacité à répondre à la demande de produits agricoles. Certaines projections montrent qu'en 2080, un continent comme l'Afrique va perdre 13-15% de sa production agricole en raison de l'augmentation des températures. En moyenne mondiale, à l'horizon 2080, la productivité moyenne va chuter de 3 à 4% sur l'échelle de la planète, alors que la population, elle, qui est aujourd'hui de 6 milliards 800 millions de personnes, aura augmenté jusqu'à sans doute 9 milliards 500 millions, peut-être 10 milliards de personnes. Donc, c'est tout à fait important, cette menace que le changement climatique fait peser sur la sécurité alimentaire. Mais le rapport est aussi dans l'autre sens. Je veux dire par là que l'agriculture aujourd'hui est un des principaux facteurs du changement climatique. Ce qui se passe sur les champs, l'utilisation d'engrais chimiques, la mécanisation de l'agriculture, signifie que 14% des émissions de gaz à effet de serre résultent de ce qui se passe dans l'agriculture au niveau du champ. Si on ajoute à cela la déforestation pour créer des pâturages ou des cultures, on aboutit à 33%. Si on ajoute à cela toute l'énergie qui est utilisée pour le transport des aliments, toute l'énergie qui est utilisée pour transformer les aliments, pour les donner aux consommateurs, toute l'énergie qui est utilisée pour préserver la chaîne du froid qui relie le producteur au consommateur, on aboutit au constat qu'environ 50% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre sont liées à un système alimentaire qui de plus en plus a développé des chaînes longues, des méthodes de production agro-industrielle et à consommer de plus en plus d'énergie, notamment du pétrole et du gaz. Et donc aujourd'hui, on peut dire que notre chaîne alimentaire, elle démarre véritablement sur les champs pétroliers du Moyen-Orient ou dans les champs gaziers de Russie, parce que nous avons développé une agriculture extraordinairement dépendante des énergies fossiles. Et c'est un problème non seulement parce que ça explique cette contribution de l'agriculture au changement climatique, mais aussi parce que ça signifie une dépendance très forte de la production alimentaire sur l'évolution du prix des énergies fossiles, et ces prix vont être à l'avenir de plus en plus volatiles et de plus en plus élevés. Et moi je dis, il faut donc changer de cap. Il faut aller vers une agriculture beaucoup plus soutenable, durable, beaucoup moins dépendante d'intrants externes, en utilisant les différents éléments de la nature les uns avec les autres, en combinaison les uns avec les autres, plutôt qu'en utilisant des intrants externes, d'ailleurs très souvent beaucoup trop coûteux pour les paysans pauvres des pays en développement. Et je crois pour ma part que la petite agriculture familiale est beaucoup mieux placée que les grandes plantations agro-industrielles pour opérer ces transitions vers une agriculture durable. Et donc c'est là un argument supplémentaire, si vous voulez, pour l'agriculture familiale, c'est la capacité bien plus grande des petites parcelles, des petites unités de production, de gérer cette transition vers une agriculture plus durable, parce que cette agriculture durable, elle suppose que l'agriculteur, le producteur, connaisse très bien les sols, puisse très bien utiliser les ressources naturelles dont il dispose en utilisant différentes
plantes sur une même surface et en combinant des petits animaux avec des plantes. Et ceci, c'est tout à fait autre chose que de développer des grandes monocultures avec des tracteurs pour les traiter. Et donc, moi, je considère qu'un argument majeur pour l'agriculture paysanne, c'est véritablement la contribution qu'elle peut faire à cette transition vers l'agriculture durable. Tot slot, om af te ronden, hebt u misschien nog een persoonlijke boodschap voor de Noord-Zuid-beweging? J'ai évoqué le cercle vicieux dans lequel nous étions tombés, avec une pauvreté, une inégalité qu'on crée dans les campagnes et une accélération de l'exode rural vers les villes. Le dilemme auquel, du coup, les gouvernements sont confrontés, est-ce qu'il faut nourrir les villes à bas prix en rendant la nourriture abordable, quitte à sacrifier encore plus les campagnes? Je pense qu'il faut passer de ce cercle vicieux à un cercle vertueux. Et le cercle vertueux, c'est quoi ? C'est investir dans l'agriculture familiale pour augmenter les revenus des petits paysans. C'est donner aux petits paysans des raisons de continuer de produire en les protégeant de la volatilité des prix sur les marchés et en les protégeant d'une concurrence déloyale sur leurs marchés, en soutenant également les efforts qu'ils font pour devenir plus productifs et surtout en les organisant en coopérative, en syndicat, afin qu'ils puissent monter l'échelle de la valeur ajoutée, transformer leurs produits, les empaqueter, les vendre peut-être, et capter une part plus grande de la valeur ajoutée sur la chaîne alimentaire, et permettre à ces paysans de véritablement compter dans le jeu politique. Et donc je considère que le travail des ONG de développement, et notamment des ONG de développement qui se réunissent sous la coupole de 11-11-11, ce travail est tout à fait essentiel parce que c'est un travail qui permet de mobiliser les acteurs du Sud qui, jusqu'à présent, soyons francs, n'ont pas compté dans les politiques de développement. Trop souvent, ces politiques de développement ont été des politiques de tantôt purement humanitaires de court terme, tantôt des politiques dictées par des objectifs purement technocratiques qui n'ont pas véritablement impliqué les populations locales dans la définition de ces priorités. Et donc je pense absolument vital ce travail. Je l'encourage naturellement. Je regrette de ne pas pouvoir être des vôtres aujourd'hui, mais je suis certain et convaincu que ce travail est en d'excellentes mains et je le soutiens pour ma part de tout mon cœur. Professeur, hartelijk bedankt voor dit zeer leerrijke interview. Avec grand plaisir.